Bonjour à tous, donc c'est Matt SRX. Donc on se retrouve pour l'épisode 50. Donc aujourd'hui c'est du semage, donc nous allons semer tout simplement notre champ en colza. Et c'est parti. Allez go. Donc lui il fait tout seul. Moi je prends celui-ci, comme d'habitude. Le préchauffage, c'est bon. J'allume donc les feux. Allez, go, toi. Donc, ici. Donc, on se met comme il faut. En deux. Donc, j'active mon pulvée. Et puis, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, j'allais oublier ça. Le petit rétroviseur. Donc là, on fait donc du travail dans le champ. Alors, donc là c'est bon. Allez, toi, on y va, zou. Bien sûr, après, on va mettre nos missions en route. Donc, on se remet en deux. Et on active notre épandeur. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah oui, les missions. Allez, tous les 2 minutes. Voilà. Et on avance. C'est parti. Hop. Puis bien sûr. Tout à fait. Bien. Ok, très bien. Oui, bon. Hop, ça c'est bon. Allez, on va ramasser tout ça. Et puis, on va se mettre. Alors, soit j'amène la moissonneuse. Je vais l'emmener directement.
Hop, donc celui-ci. C'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc celui-ci, il va être en attente. En attendant, on va amener celle-ci au champ. Avec la gyro, ça j'ai pas besoin. Je sais pas comment font certains pour avoir les feux de travail et les feux de devant en même temps. Et les feux de route. C'est ça que je comprends pas. Si eux arrivent, normalement, moi je devrais aussi. Là, il faudrait que je modifie dans mes options un truc. On verra ça après. Les gyros, quoique je vais peut-être mettre ça. Donc, Donc voilà, ça c'est vu. Donc ici, celui-ci, on le met là. Qu'est-ce que j'ai hâte, moi, c'est d'avoir une bonne moissonneuse. Et surtout que, plutôt que mes... Oui, j'ai ramassé les œufs, c'est vrai. Donc ça, c'est bon. Bah, je sais pas, ça va bientôt. Je pense que ça va pas tarder. Tiens, cargaison, je vais m'en réaccepter. Hein. J'ai ce qu'il faut de manière. Donc 4 minutes. Donc ça fait combien d'euros là? 5 000 euros. Eh bah putain. C'est pas un beau cadeau ça. Allez, on se met le chargeur. Et puis après, ça sera bon. Voilà. Par contre, c'est où qu'il faut que j'aille chercher? Ok, à la filature. Bon, bah, très bien. Une filature, donc on passe par le même chemin que hier. Et vu que c'est 4 minutes, à mon avis, ça va être en bas. Au village ou un truc comme ça. Du coup, on va là-bas. On va chercher notre palette. On va passer par là. Ouais, si je prends les herbes, ça sera pas bon non plus. Alors. Allons chercher notre palette. Ça va me donner quand même 5 000 euros de plus. Ce sera pas mal. Et après, je sais pas où l'amener, hein, par contre. Allez. Donc là, on arrive bientôt. Donc,
Du coup, merde, c'est derrière. Ah zut. Mais je préfère comme ça, au moins je suis sûr de prendre comme il faut. Parce qu'à mon avis, ce sera par en haut, ce sera plutôt en bas de la carte. Ce sera au niveau du village ou un truc comme ça, ou du BGA. Je pense plutôt comme ça. Ouais, nickel. Et tout ça, c'est en bas, c'est... Alors, je sais pas trop où c'est encore. J'arrive pas à deviner. En tout cas, c'est pas dépôt, ça c'est sûr. Mais maintenant, ça peut être... À mon avis, ça va être soit au village, soit... Le truc là où on avait été chercher le caddie de golf. Ils disent rien dans la description en fait, ils disent juste voilà, il faut dessiner. À sa destination, point barre. Ils ne disent pas où c'est. Donc là, moi je pense savoir où c'est. Tous les coups, ça va être un truc perdu là, à l'île déserte là, où il y a une caravane dessus. Donc on va passer, on va couper par la ferme, ça ira plus vite. Pour l'instant, ça m'a dit que là où je dis, donc c'est-à-dire le petit coin perdu là. Et tant que j'ai pas vu où c'était. La lumière, c'est l'or. Ils ont besoin de nourriture dans le coin, alors on va aller là-bas et puis c'est tout. Alors, sans se prendre une voiture ou quoi que ce soit. Hein. Bon, elle est tournée.
C'est vraiment là en plus. Ouais, c'est ça en plus. Putain. Ils font pas chier. Ils auraient pas pu mettre encore plus loin. Allez, on y arrive, on y arrive. On y arrive. Vais-je y arriver? Vais-je réussir cette mission? Putain, mais c'est pas possible. Imbécile. Et voilà. Ah, oh, merde! Il me reste 1 minute. Tout ça parce qu'une voiture m'a foncé dedans quand même, hein, putain. Allez, fonce. Allez, c'est parti. En 1 minute, c'est pas possible. Ou alors, c'est que je vais vite. Putain, je vois le point là-bas et en plus je vais pas y arriver. Ah, fait chier, tiens. À cause d'une voiture de merde là. Et voilà, c'est fichu la mission. J'aime pas être en échec, alors je vais. Je pense que je vais refaire une autre mission, hein, tant pis. À moins que en 40 minutes j'ai le temps d'arriver là-bas, mais bon. Tout ça à cause d'une putain de voiture. J'aurais eu le temps en plus, hein. Sans l'accident, j'aurais eu le temps d'aller. Allez, 30 secondes. Si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, ben je recommence une autre mission, quoi. J'attends une autre mission.
20 secondes. Ah bah putain, c'était chaud ça. Oui. Putain, Gast. Quelle misère. Bon, je vais vous épargner ça, je vais faire une. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On enlève ça, on met en fois 120 et on met en rapide. Donc du coup, ben. Ça fait 20 minutes seulement. Pff, ouais. Ben, on va ranger celui-là. Alors par contre, l'autre. Je vais réinitialiser, hein, parce que vu là où c'est. J'ai la flemme d'aller le chercher. C'est trop long sinon. Allez, toi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement. Donc ramener celui-ci, amener les deux remorques, et puis c'est tout. Ça, c'est bon. Donc, du coup, je prends mes remorques. Hop, ça c'est parti. Après, il faut que je range l'autre aussi. Du moins, c'est fourche. Et que je lui remette la masse. Donc ici, il faut que je charge ceci. Ça, c'est bon. Je vais peut-être aller voir mes poules. Parce que j'ai peur que ça pompe trop vite. Bah d'ailleurs, hein, on va mettre celui-là. 53, on va ramasser tout ça. Putain, mais ça. Voilà. Et ça pend très vite, hein. C'est ça, le seul problème, c'est que vu que j'en ai 500, vous imaginez bien qu'à 1000, ce sera pire. Bon, ce qu'on va peut-être faire. Avec 500 poules, je suis pas fini. Chaque fois j'ai 10 œufs ou 20 œufs, alors. Chaque fois il me rajoute. Ça prend très vite en fait, donc. Hop. Bon, ça va, ça a diminué un petit peu quand même. Ah,
On va ramasser un peu comme on veut. Ben en fait sur cette petite fin dans le poulailler, eh ben écoutez, on va se dire à la prochaine et à bientôt tout le monde.